Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous faire une petite présentation de la chaîne et puis moi par la même occasion. Parce que je me suis rendu compte que je l'avais pas fait, il fallait peut-être que je le fasse. Enfin, tout le monde le fait, alors je vais le faire. Hein. Bon, on va faire comme ça. Donc je vais faire quelque chose d'assez... Enfin, je vais essayer de faire du rapide. Je vais commencer par le début. Je m'appelle Gaëlle. Enfin, ça, vous l'avez peut-être vu dans le titre de ma chaîne. Donc voilà, je m'appelle Gaëlle, j'ai 38 ans, je suis maman de deux enfants, une fille et un garçon. Donc ma fille va avoir 12 ans, s'appelle Marine, et mon fils qui va avoir 9 ans s'appelle Baptiste. J'ai un mari, évidemment, enfin évidemment, non, pas forcément évidemment, mais j'ai un mari qui est le papa aussi des deux enfants. Non, je tiens à le préciser parce qu'aujourd'hui il y a plein de divorce, des accouplements, etc. Donc voilà, nous c'est bien les nôtres à tous les deux. On est mariés depuis 2003, donc ça va être notre anniversaire là en août. Et puis et ben quoi dire à son sujet, je crois que je l'aime tout court. Je crois que lui-même aussi, enfin je suppose, hein. En tout cas il me dit pas qu'il m'aime pas, donc pour l'instant tout va bien. J'ai voulu faire une chaîne au départ parce que je me suis lancée donc, dans les produits Unique. Donc je suis revendeuse de produits Unique aussi. Je me suis prise au jeu. Et puis une copinote m'a dit tu verras, à force de faire vidéo, tu vas être de plus en plus à l'aise. Et effectivement, elle avait raison. Donc je te remercie ma belle petite Mati. Parce que oui, je suis de plus en plus à l'aise. J'aime ça. Même si par moments j'ai l'impression d'être débile de parler à personne, mais c'est pas grave. c'est comme on dit, c'est le jeu. Et voilà, j'apprécie beaucoup de faire des vidéos et puis de partager. En fait, vous allez retrouver sur la chaîne. Donc j'ai déjà fait des hauls, des petites revues, je suis abonnée à la Glossy Box, je l'aime beaucoup, donc tous les mois vous aurez droit à une Glossy Box. Alors ma chaîne va être consacrée à un petit peu de tout, je vais essayer de vous faire des hauls, des revues, si je peux des premières impressions, parce que je ne suis pas une pro de la vidéo, donc je ne sais pas ce que ça peut donner de très près. Des make-up si j'y arrive aussi évidemment. Et je pense que je vais essayer d'agrémenter avec un petit peu de tout, peut-être des tags, des... Voilà, on va dire ce que font peut-être déjà beaucoup, mais voilà, j'avais envie de le faire parce que ça me fait du bien. Parce que je commence à avoir quelques abonnés qui commentent à chaque fois la vidéo et c'est agréable, ça donne envie d'en faire d'autres. C'est vrai que c'est pas une vraie amitié parce que c'est virtuel, mais c'est une amitié quand même. Cette amitié virtuelle, cet échange, je trouve que c'est très agréable et voilà, et ça me plaît. Donc ça me plaît, je le fais. peut-être qu'aussi vous verrez par moment que j'ai des petits déraillages, hein, ça peut m'arriver parce que de temps en temps je suis un peu fofolle. C'est peut-être le mot. Mais voilà. Et puis, je crois que c'est tout. Donc, c'était pour faire large, hein, pour vous faire une petite présentation dans sa généralité. J'ai aussi, parce que ma première passion, c'est pas par exemple tout ce qui est beauté, revue, machin, tout ça. Ma première passion, c'est le nail art. Donc, là, aujourd'hui, j'en ai un sur les mains. Je vais essayer de vous monter la vidéo rapidement. Donc j'ai une autre chaîne où je ne fais que du nail art. Donc si vous voulez me suivre sur cette chaîne là, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais voilà, ça, le nail art, c'est ma première passion. Si un jour je ne devais plus faire de vidéos face à la caméra, je ferai toujours, je pense, des vidéos nail art, parce que vraiment j'aime ça. Donc ma deuxième passion, ça reste la beauté, le prendre soin de soi. Alors pour info, prendre soin de soi, c'est pas quelque chose que je fais depuis longtemps. Donc je vous ai dit que j'avais 38 ans, ça fait une dizaine d'années. J'ai mon meilleur ami, parce que bah oui, j'ai pas une fille meilleure amie, j'ai un garçon meilleur ami, c'est comme ça, qui m'a dit mais tu devrais prendre soin de toi, c'est bien, tu t'occupes tout le temps des autres, mais prendre soin de toi. Donc je suis allée la première fois dans une parfumerie, alors je sais plus, c'est je crois que c'est un OCB. Donc j'ai acheté de la crème, parce que oui, jusqu'à 28 ans, j'ai jamais rien mis. Je me lavais, hein, je vous rassure quand même. Je me lavais, mais je mettais rien. Et puis de fil en aiguille, je me suis prise au jeu. Bon, j'ai trouvé ça très agréable. Donc si vous êtes dans le même cas que j'étais moi il y a 10 ans,
que vous survolez, on va dire, cette partie de vous occuper de vous, je vous conseille d'essayer de le faire un petit peu, même si c'est pas beaucoup. Alors au début, oui, vous allez faire comme moi, vous allez vous sentir coupable quand vous allez le faire, parce que vous allez entendre votre mari qui rame avec les enfants et vous êtes en train de vous occuper de vous. Mais voilà, enfin, je sais que moi, avec mon mari, il a compris que ça me faisait du bien et que finalement je me sentais mieux. Et comme il m'aime, bah, je pense qu'il m'aime aussi comme ça. Donc voilà. Et je sens que je m'égare là. Je le sens. Je sens. Je fais comme d'habitude. Je suis complètement à la ramasse. Mais c'est pas grave. Hein. Vous allez vous habituer. C'est pas la première fois. Ce sera sûrement pas la dernière. Donc voilà. C'était pour vous présenter brièvement la chaîne. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie. Si vous avez des, je l'ai déjà dit hein, dans d'autres vidéos, mais si vous avez des envies de vidéos en particulier, ben moi je suis prête à essayer. Hein. Alors me demandez pas de vous faire un striptease ou ce genre de truc, hein. Ça je ferai pas quand même. Hein, je suis pudique, donc ça je ne ferai pas. Mais voilà, pourquoi pas, je sais pas, moi, vous emmener avec moi, faire des courses, faire des hauls peut-être un jour, j'essaierai peut-être. Enfin, peu importe, proposez toujours, hein, j'essaierai de le faire. Et puis voilà. Donc je dis dans mes vidéos, beaucoup voilà, beaucoup donc. Bon, bah va falloir vous y faire, hein, je pense, parce que je crois que j'arriverai pas à les supprimer, ces deux mots. J'ai essayé, hein. J'ai essayé, mais je peine. Je suis un peu, comment dirais-je... Est-ce que j'ai trouvé le mot? C'est difficile de se mettre des qualités ou des défauts en face. Je suis nature, je suis moi, donc voilà. Donc, encore une fois, c'est comme ça. Mais bon, voilà. Et voilà. Bon, j'arrête mes âneries. Je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine fois. Ciao.